4 morceaux de A à Z en seulement 6 mois, est-ce que c'est vraiment possible C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu es musicien, DJ, producteur ou compositeur de musique électronique, tu as sûrement envie de créer des morceaux, des morceaux de qualité et des morceaux que tu puisses sortir de manière assez régulière pour pouvoir développer ta fanbase, pour pouvoir jouer tes morceaux en public si c'est ton truc, ou encore pour pouvoir les distribuer sur des plateformes de streaming comme Spotify et autres. Le truc c'est que euh, beaucoup d'artistes galèrent à terminer leurs morceaux, que ce soit en phase de fin de compo ou aussi pour les aspects plus techniques comme le mixage et comme le mastering. Ce que j'enseigne depuis des années, c'est justement des, euh, des techniques et euh, des méthodes d'organisation qui permettent de créer des morceaux de A jusqu'à Z, c'est-à-dire de l'idée du morceau jusqu'à sa distribution sur Spotify. Et euh, comme tu le sais, j'enseigne la musique électronique depuis 2011. J'ai eu plus de 1800 élèves qui ont suivi mes, mes cours, mes formations, mes livres. Et euh, aujourd'hui, j'ai euh, l'honneur, le, le bonheur de te partager euh, le lancement de mon nouvel accompagnement qui s'appelle MAO Mastery. Alors, si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'enseigne la musique électronique depuis 2011. J'ai eu plus de 1800 élèves qui ont suivi euh, mes cours, euh, mes formations, mes méthodes, euh, mes livres également. Euh, J'ai fait du coaching et euh, aujourd'hui, ce que je te présente sur MAO Mastery, c'est l'aboutissement, euh, si tu veux, de toute cette expérience. Euh, ça fait plus de 20 ans que je pratique la musique électronique, aussi bien le DJing que la MAO, surtout la MAO d'ailleurs. Et euh, donc, au travers de cet accompagnement, l'idée, c'est de pouvoir euh, amener mes élèves euh, vraiment au niveau supérieur. Donc, que tu sois débutant en musique ou que tu aies déjà créé des morceaux, des dizaines de morceaux et que tu veuilles euh, peaufiner la qualité de tes sons, que tu veuilles te professionnaliser, euh, que tu veuilles euh, pourquoi pas postuler chez un label, euh, vivre de ta musique, euh, cet accompagnement peut euh, tout à fait euh, t'intéresser. Alors pendant les six mois que dure cet accompagnement, c'est euh, un travail qui est intensif, il y a du boulot, on ne va pas se mentir, hein. l'idée c'est vraiment de pouvoir t'amener au niveau supérieur, donc euh, c'est vraiment un travail d'équipe si tu veux, euh, je ne fais qu'un enseignement euh, individuel, donc tout ce qui est euh, fait c'est 100% personnalisé, euh, 100% euh, adapté si tu veux à ta situation, à ton style musical, à ton niveau euh, de progression à MAO, euh, à ton matériel également, donc l'idée c'est de pouvoir adapter vraiment euh, ma pédagogie à, euh, ton, euh, à ta situation euh, particulière. Donc MAO Mastery, comment ça se, comment ça se passe concrètement En fait, c'est un programme de formation donc, qui est complètement personnalisé de A à Z. Donc encore une fois, euh, si tu as des lacunes, par exemple, sur les aspects de compo, de sound design, euh, sur le choix des cendres, etc., on va focaliser là-dessus dans un premier temps. Et si par contre tu as déjà suffisamment de background euh, d'expérience là-dessus et que tu veux par exemple progresser sur les étapes de mixage ou sur les étapes de mastering ou sur l'organisation, euh, ou si tu veux aller vraiment, vraiment plus loin dans le peaufinage, dans la finition de tes compos, on va pouvoir comme ça euh, mettre des points de focus sur euh, les aspects, sur les compétences que tu veux euh, développer. Donc dans euh, MO Mastery, il y a euh, donc euh, le, un programme de formation qui est personnalisé. Il y a du coaching individuel en visioconférence. Euh, donc encore une fois, c'est que de l'individuel. T'es pas dans un groupe, à attendre ton tour, etc. On est juste toi et moi pour euh, se concentrer à fond sur ton projet morceau par morceau, comme ça. Euh, l'idée c'est de pouvoir en sortir au minimum 4. Euh, ça c'est ma promesse que je fais pendant les 6 mois. Et je m'engage hein, sur cette promesse, hein, c'est contractualisé. Euh, donc l'idée c'est vraiment de se donner les moyens pour que tu puisses euh, avoir des vrais résultats à l'issue euh, des 6 mois. Je mets à ta disposition euh, des. Euh, un, un, alors, déjà, il y a un, un support euh, par email, 6 euh, jours sur 7. Donc, le support par email, c'est simple. Dès que tu as une question, dès que tu as le moindre blocage, tu me contactes et sous 24 heures, je te réponds. S'il y a besoin que je te fasse un tutoriel, que j'aille chercher une ressource spécifique pour ta situation, encore une fois, en fonction de ton style musical, en fonction de, de ton niveau, de tes objectifs, eh bien, moi, je m'occupe de faire tout ça. En fait, je vais aller mettre en place tous les. Euh, tout ce que tu as tous les éléments que tu as besoin en fait pour que ton apprentissage soit fait de manière optimale que tu apprennes de manière efficace et fun et que tu n'es plus à te prendre la tête à regarder plein de tutos sur YouTube à pas savoir par où commencer euh, que tu ne saches pas euh, où trouver des banques de sons des presets tout ça euh, c'est mon rôle en fait de te mettre à ta disposition tout ce que tu as besoin prêt à l'emploi directement euh, donc via un espace membre et euh, via un échange par email six jours sur 7. Donc dès que tu as une question comme ça, l'idée c'est d'être très réactif et euh, que tu puisses avancer jour après jour euh, de, ma de manière euh, vraiment euh, optimale. Donc euh, voilà, je mets à ta disposition également donc euh, une boîte à outils avec euh, des workflows, euh, méthodes, euh, formations, enfin tout ce que tu as besoin comme ça pour, euh, pour qu'on puisse euh, avancer euh, étape par étape. Et l'idée c'est qu'avec ce suivi 6 jours sur 7, et eh bien, euh, je puisse te dire à chaque moment, tu vas regarder telle, euh, telle vidéo, par exemple, tel tutoriel, tu vas regarder euh, telle, euh, telle formation, tu vas utiliser telle banque de sons, etc. Euh, donc, tu n'as plus de questions à poser, tu as juste à mettre en pratique et euh, tu vas voir euh, semaine après semaine bah, euh, ton morceau qui se construit, puis ton deuxième morceau, ton troisième et ton quatrième morceau, euh, comme ça, au fur et à mesure euh, des mois qui passent. Alors, pour découvrir MAO Mastery, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder dans la description, tu vas trouver un, un guide qui est offert. Euh, dans lequel tu vas avoir euh, pas mal de, de, de pépites, euh, notamment, euh, donc je, je vais te parler comme ça de la, méth de la méthodologie qu'il y a derrière, de comment ça fonctionne, et euh, tu vas voir euh, comment tu peux pratiquer la MAO même avec peu de moyens. Donc par exemple, si tu débutes, que tu n'as pas forcément un gros budget, euh, tu vas voir qu'en fait on va, on va casser pas mal de croyances au niveau du matériel, ce qui va te permettre de démarrer facilement. Euh, et rapidement, tu as sans avoir à attendre à avoir tout le matériel de pro, euh, sûrement pas, euh, c'est sûrement pas ce que tu as besoin pour débuter. Euh, donc euh, là, je vais te dire exactement le minimum vital que tu as besoin pour, pour démarrer. Donc ça, ça permet de débloquer déjà pas mal de, pas mal de personnes. Dans ce guide, tu vas voir aussi comment tu peux créer un morceau par mois. Donc, créer un morceau par mois et le sortir hein, sur Spotify, ça c'est quelque chose que j'ai fait pas mal de, de fois hein, ces, dernières, ces dernières années. Euh, c'est à peu près mon rythme habituel. Euh, créer un morceau par mois. Donc, l'idée c'est pas forcément d'être dans une course euh, au détriment de la qualité, surtout pas. Euh, l'idée c'est de toujours faire la, le, la qualité maximale pour, euh, pour tes sorties, mais aussi d'avoir une organisation. Et une productivité qui soit suffisante pour pouvoir, si tu le souhaites, sortir un morceau par mois. Donc, quand je dis ça, en fait, je m'adresse surtout à des gens qui sont vraiment sérieux, qui veulent euh, se professionnaliser ou qui veulent vraiment euh, s'éclater en musique. Euh, parce que, effectivement, si tu sors un bon morceau mais tous les six mois, euh, je suis désolé de te dire, mais pour percer, euh, ça va pas le faire, quoi. Euh, par contre, si tu es euh, DJ, si tu es producteur et que tu veux vraiment euh, euh, comment dire, euh, percer en fait euh, dans, dans ce milieu, euh, sortir un morceau par mois, c'est un bon rythme euh, à envisager en tout cas. L'idée c'est que tu puisses le per euh, te, te, te permettre en fait d'en arriver là euh, avec euh, à l'issue de ce, de, de ce coaching. Et donc, dans ce guide offert, je te, je te montre un petit peu comment, euh, comment tu peux arriver à ce stade. En fait, moi j'appelle ça mettre en place ton usine à son. Euh, L'usine à son, c'est en gros, c'est tout le contexte en fait, tout l'environnement le, tout euh, avec la méthodologie qui te permet comme ça de créer des morceaux sans avoir à te poser des questions une fois que tu es rodé et comme ça que tu puisses débiter comme ça morceau après morceau et vraiment envoyer du lourd donc tout ça c'est dans le guide qui est offert euh, tu vas avoir également euh, d'autres petites choses tu, euh, on va parler aussi de ton euh, de euh, comment percer avec ton identité musicale unique ta signature ça c'est ultra, ultra important évidemment en tant qu'artiste tu n'as pas envie de faire la même chose que les autres artistes, as envie de te démarquer, donc on va parler de ton identité musicale, ça va se refléter dans, dans le, le choix de tes sonorités, dans ton sound design, euh, mais pas que, il y a d'autres aspects aussi qu'on va aborder dans ce guide. Donc euh, voilà, je t'en dis pas plus, euh, je t'invite bah, à regarder dans la description pour télécharger ce guide au format PDF maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt, ciao